Hello tout le monde, c'est Lantor, j'espère que vous allez bien. Tiens, moi ça va vraiment, je pense qu'aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui le premier épisode de la troisième journée du tournoi Destination avec un gros choc. Un match entre le Pays de Galles et l'équipe de France. Donc ici au Millennium Stadium de Cardiff. Donc nous sommes la nuit. Franchement ce match avec l'équipe de France première avec 4 points et le Pays de Galles 4ème avec 2 points. Donc ça risque vraiment d'être chaud. Donc tout est bon, beau temps, ok. On va lancer ce match. Donc voilà, j'ai jamais gagné un match à l'extérieur pour l'instant. Donc j'espère que ça sera la première fois que ce match sera le premier d'une longue série de victoires. En ce moment là, pendant que je tourne, mercredi, il y a le combiné nordique avec Jason Lamichapuis. Donc j'ai mon iPod à côté pour regarder les résultats. Donc ici au Millennium Stadium de Cardiff, où il y a vraiment toujours une ambiance magnifique. Moi j'adore ce stade. C'était là où il y avait eu, je sais pas si vous en souvenez, le quart de finale de la Coupe du Monde en 2007. Et il y a eu mais vraiment une ambiance de malade. Et l'équipe de France avait battu mais sur le fil les joueurs de la Nouvelle-Zélande. Donc c'est parti, j'ai pris l'équipe de France, hein, soyons patriotes quelques secondes. Et l'engagement va être donné par le Pays de Galles. Là, je vais essayer de pas perdre parce que j'ai pas encore gagné un match à l'extérieur. Donc on va récupérer la balle avec Thierry Zotoir et déjà un en avant. L'en avant le plus rapide de l'histoire du tournoi de Destination. Et la première mêlée après seulement 1 minute 35. Et déjà un gros ballon à jouer pour les Pays de Galles. Avec. J'ai foiré complètement mon introduction en mêlée. Allez. Pumba. Oh oui, superbe l'équipe de France qui va peut-être récupérer la possession. Oui, ballon récupéré par la possession. L'équipe de France qui a écrasé cette première mêlée. Et tous les Anglais qu'il y avait avec, tous les Wales qu'il y avait avec. Avec Loret. Pour Maxime Médard, elle est sortie. La balle est sortie. Un gros début de match. Il y a du rythme, il y a de l'intensité. Allez, touche lancée par les Gallois. Lee Halfpenny et ballon récupéré par toujours ces mêmes Gallois. Il va y avoir un rock. Voilà, il s'agit de pas mettre tous les gens de mon équipe. Attention, il est bien parti. Et bon plaquage de Benjamin Kaiser. Et oui, et l'équipe de France qui récupère ce ballon. Avec Morgan Parra et là en avant de Morgan Parra. Franchement, là c'est ridicule son en avant. Et en avant de l'équipe de France et encore une mêlée à suivre pour les Wasps. Mais gros début de match. Hein. Et l'équipe de France va-t-elle remporter cette deuxième mêlée comme elle l'avait remporté la première? Faut vraiment viser le début là. Faut vraiment viser le tout milieu de ces barres. Comme ça. Et non. Avec eux. Allez, on va dégager sur le côté. Attention, Maxime Médard. Oh oui, attention, il va peut-être aller marquer l'essai. Le joueur gagne. Ouais, oui, l'ouverture du score pour le Pays de Galles. L'ouverture du score, ils ont creusé le trou, la faille dans la défense de l'équipe de France. Quel début de match du début du Pays de Galles. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, que le début de match du début du Pays de Galles, c'est pas grave. Et essai de Toby Faletao. 5-0 pour le Pays de Galles. Une transformation va-t-elle passer? Et non, je crois que c'est James Hook qui tape. À moins que ce soit Sam Warburton, je sais plus. Je sais plus du tout qui tape les pénalités. Mais en tout cas, ça fait 5-0 pour le Pays de Galles. Après, vraiment, un gros début de match. L'équipe de France va essayer de revenir avec Morgan Parra. Oui, bon lancer de Morgan Parra, mais ballon perdu. Récupéré par les joueurs du Pays de Galles. Allez, l'équipe de France, oula, ils les ont déglingués alors qu'ils étaient... Attention, là, mais ils sont pas trop. Ils sont bien dans le match, là. Attention. Et à blessure. Blessure de Scott Williams pour le Pays de Galles. Blessure de Scott Williams pour le Pays de Galles, attention. Allez, Williams est remplacé par James Hook. Donc c'est James Hook, hein, qui. Donc c'était pas lui qui tirait. Allez, on. À moins que c'était Halfpenny qui tire. Non, Halfpenny tire seul de loin. Oula, grosse mêlée de la part de Pays de Galles. Pour l'instant, 3 mêlées, introduction Pays de Galles. Hein. Ah, dommage, parce que j'avais vraiment bien pris le ballon. Attention, il est tout seul sur le côté, donc on va bien le tacler. Attention, il est passé. Oula, c'est un peu le bordel.
Damien Chouli, où il tape, il tape. Et tu tapes, tapes, tapes. Allez, il va falloir. Oui, ballon mort. J'ai bien fait de pas le toucher en fait, finalement. Ah bah oui, mais ça fait une mêlée à. Oui, on va faire un drop de renvoi parce que sinon ça va être un peu. La guerre. Allez, on va dégager le plus loin possible. L'équipe de France est sous pression. Pas très bon début de match des Français. Oui, par rapport à celui qu'on a fait. On a vraiment fait un bon, on a fait un bon match face à l'Italie. Hein. On a gagné 5-30-10. Et attention, Johan Hugues sur le côté pour peut-être l'essai français. L'avantage est fini de toute façon, mais mise en touche par les Gallois. Mais voilà, le la première balle d'attaque du côté des Français avec une bonne, un bon débordement de Johan Hugues. Attention, une touche, si elle est contrée, ça peut faire essai. Allez, touche pour les Gallois. Allez, oui, elle est. Oh non, elle était dans mes mains et j'ai pas réussi à la. Allez. Il va falloir faire avancer là. Et ça, ça a tourné, ça a tourné. Et ballon récupéré. Non, pas par l'équipe de France, j'ai eu peur. Enfin, j'ai pas eu peur. J'ai eu un faible espoir. Durant quelques dixièmes de seconde, que le ballon était récupéré par les Français. Benjamin Kaiser qui perd le ballon. Voilà. Et là, pour le coup, il faut pas aller se. Attention, il est pas, ils sont passés sur le côté. Les joueurs du Pays de Galles, il va être mis. En touche, non! Attention, gros gros ballon pour les Gallois là. Là, faut faire attention parce qu'il y a vraiment un gros ballon. Alors qu'il y a eu un. Oh, vous avez vu ce magnifique bug? C'est pas le premier. Hein. Et bon plaquage de Pascal Papé qui fait bien avancer l'équipe de France là. Mais encore un ballon perdu. Encore un ballon perdu par l'équipe de France. Et récupéré par les Gallois. Attention, bon plaquage de tir du sautoir. Mais souvent, il y a des passes après contact du côté des Gallois. Et là, par contre, récupération de l'équipe de France. Il va y avoir un bon lancement à la, donc, au milieu de terrain avec Thomas Domingo. Thomas Domingo pourra. Ah, Johan Hugues, il n'a pas pu la donner. Il n'a pas pu la donner, Johan Hugues. Mais ballon quand même récupéré par l'équipe de France. Toujours. Always. Avec, avec un ballon complètement foiré. Une touche complètement foirée. C'est Faletao qui récupère la balle. Mais quelle balle foirée. C'est qui? C'est du sautoir qui l'a donné. Quel. Oh, c'est vraiment dommage là parce qu'il y avait une grosse action à suivre pour les Français. Et du coup, ça, ça donne un bon contre pour les. Oui, du sautoir qui récupère le ballon. Ça donne un contre à suivre pour les Gallois qui vont récupérer le ballon. Ils sont au-dessus, franchement ils sont vraiment au-dessus de l'équipe de France. Oh la passe est longue. Maxime Médard qui plaque bien. Il va peut-être se prendre un deuxième essai. Non, c'était, ça aurait été moins une. Mais franchement là ils y sont pas du tout l'équipe de France. L'équipe de France n'est pas du tout dans le match. Avec Faletao. Oh là là, mais sur le côté. Mais non, franchement les passes elles sont hyper cheatées là. On peut pas faire des passes comme ça. Avec Damien Chouli. Damien Chouli qui foire son plaquage. Et ça va faire peut-être essai, Brice Dulin. Oh oui, essai, essai. Deuxième essai pour. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi les passes qu'il y a pendant ce match. Deuxième essai pour le Pays de Galles. Mais franchement, les passes, c'est vraiment n'importe quoi là. Les mecs qui font des passes à l'autre bout du terrain. Enfin, perso, je trouve ça vraiment ridicule. Essai de Ellie Walker. Et 10-0 pour le Pays de Galles. Mais franchement, je trouve ça vraiment, vraiment bizarre et ridicule, les passes comme ça. Ah, Jason Lamichapu est passé. Oui, c'est bien le Fenix qui tire. Et Jason Lamichapu est revenu à 24 secondes au combiné lundi, donc je suis assez content. Et Elias Penny, bon, qui la foire encore. Il a foiré les deux, mais bon. Début de match raté par l'équipe de France, mais franchement, un défaut de ce jeu, les passes, c'est complètement cheaté. Parce que là, pour le coup, hein, c'est impossible de faire des passes comme ça. Allez, on a un vent contre nous, donc on va faire un tout petit engagement histoire d'essayer de récupérer la balle. Voilà, et non, et non, et non. Là, et ballon perdu direct par l'équipe de France, et gros contre à suivre pour le Pays de Galles, mais ils y sont pas, il va y peut-être y avoir. Mais où sont l'équipe de France? Où est l'équipe de France? Parce que où sont l'équipe de France, c'est pas trop français là. Allez, au moins elle est marquée un point quoi, avec Rémi Thalès, Thomas Domingo, et avantage pour le Pays de Galles, parce qu'il y a un en avant, mais il y a eu surtout un gros gros tacle. Mais plaqué, mais c'est ça, mais franchement, c'est, ils sont hyper cheatés les joueurs. Et il va y avoir le troisième essai. Il va y avoir un troisième essai. Mais c'est n'importe quoi ce jeu, mais c'est. C'est n'importe quoi. 15-0 pour le Pays de Galles, normal. Mais regardez-moi, c'est, enfin, c'est. Franchement, c'est n'importe quoi. Regardez-moi ce qu'ils font là. Les mecs, ils résistent à 15 plaquages, essai de Samoura Burton. Et 15-0 pour le Pays de Galles, c'est vraiment la démonstration. Surtout qu'Alfeni, celle-là, il devrait la passer. Non, il la foire. Troisième pénalité foirée, mais c'est franchement n'importe quoi, là. Et ça, c'est vraiment un gros défaut qu'il n'y avait pas dans le...
Je vais regarder les notes si elles sont pas vraiment cheatées là. Un gros défaut qu'il n'y avait pas dans le premier John Amour GP Challenge. Parce que là, franchement, honnêtement, les mecs, c'est pas réaliste un jeu comme ça. Tu appelles ça, je n'appellerais pas ça un jeu réaliste. Hein, allez. Ok, je suis nul, mais regardez-moi ces passes quoi. Ils y arrivent tous. Ils en foirent pas une. Allez, récupération des encore des Gallois. Comment il peut réussir à gagner le duel alors qu'il est tout seul, ça je comprends pas. Et il passe encore une fois, mais c'est impossible à plaquer, ils sont impossibles à plaquer, c'est ouf. Et il va y avoir essai. Et oui, non mais regardez-moi ces passes, enfin ok, je veux bien qu'il soit fort, mais c'est n'importe quoi. Récupération peut-être de l'équipe de France, vous m'expliquez comment le mec il peut être tout seul et gagner son duel? Parce que je comprends pas trop. Enfin, comment le mec peut disputer la balle tout seul au sol? Ah mais pourquoi j'aurais la donne pas? Allez, récupération, Pascal Papé. Maestri, Johan Maestri, Johan Maestri, il est passé, Johan Maestri, la fin de Johan Maestri. Allez, faut récupérer la balle pour au moins marquer un essai. Et comment? Et voilà, ils vont perdre le ballon, l'équipe de France, parce qu'ils sont pas allés disputer la balle. Avantage pour la France, tiens. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Hein. Et pourquoi avantage fini direct, c'est pareil. Avec Fritz pour Chouli. Mais pourquoi avantage? Il a pas fait d'en avant là. Passe en avant de l'équipe de France, il va y avoir une mêlée, mais franchement ce jeu c'est complètement n'importe quoi. Allez, il y a 15-0 pour les Pays de Galles là qui va revenir dans la course pour le. Allez, avec. En fait, c'est juste impossible de gagner un match à l'extérieur. C'est ça dans ce match. Dans ce jeu, c'est impossible de gagner un match à l'extérieur. C'est ça, c'est. Oh là là, ils se sont fait. Attention, le mauvais plaquage de l'équipe de France. Et il va y avoir un quatrième essai. Oui, non. Je veux bien que je sois nul, mais à un moment, faut faire. Mais pourquoi avantage? Et pourquoi genre mes avantages ils durent 5 secondes et les leurs ils durent 2 minutes 30, enfin ils durent infini vu que. Et voilà, il va y avoir un quatrième essai, pénal touche contre la France, pourquoi? Eh mais ce jeu c'est tellement n'importe quoi, n'empêche. C'est ridicule, je pense que ça devient vraiment ridicule ce jeu. Pénalité de Lialf Penis, qui va la passer? Ah, enfin. La première pénalité passée par Alf Penny, hein. Après je dis ça, j'ai rien. Allez, 18-0 pour le Pays de Galles. Allez. Morgan Parra qui va faire ça. Pourquoi il fait ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est stylé. Parce qu'il va y avoir un gros ballon. Là, vous m'expliquez aussi comment à tout seul il peut gagner le duel. Il y a des trucs que je comprends pas trop quoi. Allez, récupération de Brice Dulin. Brice Dulin, Brice Dulin, Brice Dulin, Brice Dulin. Avec l'oreille pour Damien Chouli. Allez, au moins essayer de sauver l'honneur. Mais ils vont perdre le ballon encore une fois. Ils doivent lâcher le ballon là, les Pays de Galles. S'ils ne veulent pas être pénalisés. Avec Pascal Papé pour Westef Fofana. Pour Johan Huget. Il a pas pu, il va perdre le ballon, Johan Huget. C'est dommage parce que c'était encore une bonne action pour l'équipe de France, mais qui n'aura vraiment pas réussi à rentrer dans ce match. 76e minute, allez, ça sert à rien d'y aller, ils vont perdre le ballon de toute façon. Avec Faletao pour. Mais voilà, il te tape comme ça. Et tu tapes, parce que. J'ai transformé cette tête, je sais. Allez, avec Thalès, c'est le ballon perdu par l'équipe de France. Avec. Là, ils vont perdre le ballon. Non, récupéré par l'équipe de France quand même. Avec ballon pour Rémi Thalès, Domingo, Fofana, pour Johan Huget. Le plaquage haut là, non, peut-être. Oui, pénalité contre le Pays de Galles, ouais. Ce serait peut-être bien. Je sais pas qui vient juste de me déglinguer mon joueur, mais un peu. Morgan Parra, pour Domingo, pour. Et je vous parie n'importe quoi qu'il va y avoir un en avant là. Je sais pas pourquoi, mais.
Avec une récupération, encore une fois, de l'équipe de France. Allez, ce serait vraiment bien de mettre un essai pour sauver l'honneur. Rémi Thalès pour Wesley Fofana, pour Johan Huget. Johan Huget, il est tout seul devant. Johan Huget pour Wesley Fofana, et oui, l'honneur est sauf. Ouf, l'essai de l'équipe de France et l'honneur est sauf. Essai de Wesley Fofana. C'est vraiment pas le premier, hein. Ça fait au moins le troisième qu'il met, Wesley Fofana. Il en met un à chaque jour, à chaque match, et voilà. L'équipe de France aura sauvé l'honneur. Ça, pour le coup, on peut pas le nier. Et genre, il faudra complètement le moment où appuyer. Et ça va faire 18 à 5. Sur le papier, c'est une démonstration des Pays de Galles, mais surtout une démonstration de gros bugs. Ok, je dois pas se prendre orageux, mais bon. On peut pas, en fait. Quand ils ont le ballon, c'est impossible de pas se prendre un essai, quoi. Et donc, voilà, c'est fini pour cette vidéo. Victoire 18 à 5 du Pays de Galles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à partager cette vidéo. Ce qui est bien, c'est que ça relance le suspense. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Peace out.